Stéphanie Modeste, mesdames et messieurs, c'est directrice adjointe ONA que la police mettait en bas-code. Eh bien, dans l'aéroport Toussaint Louverture, mesdames et messieurs, dans Port-au-Prince City, qui t'a tenté sauver qui te paye en direction République Dominicaine et pour le TVO école. Eh bien, en Europe, et la police, mesdames et messieurs, après au fin vérifier passeport, dame, et ouais, eh bien, c'est un monde qui gagne. Mais dossier pas propre avec la justice, yo arrivé mettel en bas code pour qu'on a parlé là. Eh bien, directrice adjointe ONA, Stéphanie Modeste, mesdames et messieurs, en bas code. Eh bien, un pile nègre là qui commençait par fin en ben en paix dans pays. Et nous connaît qui quantité déblosage que nègre ça fait dans pays. L'en prend le cas de Claude Joseph. Et pas oublier Stéphanie Modeste, c'est proche Claude Joseph. Et bien Claude Joseph là, monsieur pas en forme, monsieur pas en paix, parce que très bientôt ULCC qui arrive sur Claude Joseph. Nous allons inviter au grand détail. Dossier Solino, mesdames et messieurs, dossier Belin, dossier Delma. Nous allons inviter au grand détail sur toute zone qui chef gang Kempes, mesdames et messieurs, monsieur a contrôlé. Toute zone ça on va le temps de là, c'est des zones qui sous contrôle chef gang Sala Kempes qui s'est allié Genève en famille et main tout temps barbecue ancien policier Jodia qui l'a gécol dans volo dans kidnapping dans fait tout ça pas droit dans pays là. Mais pour le faut connaître donc c'est rapport et instance droit moun yo te mette deyò qui fait jodi al kembe zam men frèm ou te déjà gagné. Eh ben ou te déjà gagné rêve pour kembe zam nan mon bon c'est policier mais ou te déjà gagné rêve pour sorti gros gang nan pays ya. Eh ben nous pral invite ou gen tout détail dans vidéo ça mesdames et messieurs parce que nous pote lis la pour ou nous pote non yo que ou pral temps de là. Et pas oublier ou sous TV la caille, mesdames et messieurs, restez connectés. Bonne écoute, tout le monde a tourné. Ce qu'a rapporté Radio Télé Métronome, mesdames et messieurs. Information, yo, c'est que madame Stéphanie Modeste devait quitter le pays ce matin. Et dit-on à destination de la République Dominicaine. Et c'est arrivé dans l'aéroport, elle avait avec elle un enfant, d'après ça qui l'a porté, et bien elle a un passeport, et puis automatiquement, il y a un agent qui est sous contrôle, qui dit le front titan, et puis même moment, on connaît haïtien. Haïtien, jour et jeudi, avec téléphone, yo, haïtien très bon en arrière pour question corruption. Haïtien, depuis au cité non seulement, que c'est vrai, que c'est pas vrai. Eh bien, haïtien, depuis au web, ou à voyager, il a dit, mieux on a sauvé. Par contre, c'est ça que fait, si on coupe d'autres qui dit, mais madame, on a sauvé. Eh bien, mesdames et messieurs, il a fait appel à la police nationale d'Haïti. Parce qu'on a dit qu'en face à l'aéroport, tout gagné, on sous-commissariat. Bien, mesdames et messieurs, madame Stéphanie Modeste, ancienne directrice de l'ONA, une jeune dame, elle a été, dans un premier temps, interpellée. Ok? C'est ça que fait un article que je décris, elle m'a dit, elle a été interpellée. Interpellation par arrestation. Sous elle est au premier madame, elle mène l'aéroport, elle prend l'aéroport, elle mène l'aéroport, elle prend une note nombrale. Il y a des fois qu'on a des menottes dans le bois pour arrêter. Ils ont interpellé. Donc, ils ont fait une interpellation. Et, elle a dit que, ils ont proposé une question. Elle a été interpellée. Naturellement, si je dis, elle a été arrêtée. Parce que, depuis c'est pour un privé au liberté, dans l'ancré, là, ils ont arrêté. Mais, ils ont fait métier journaliste. Là. Donc, ça, c'est une interpellation. Et qui, je dis, hein, nous capable de transformer en haute arrestation. Puisque, pendant que je parle avec nous, là, mesdames et messieurs, après avoir attendu l'arrivée, mesdames et messieurs, de Madame
Stéphanie. Et puis, mesdames et messieurs, le commissaire du gouvernement et Radio Métronome rapporté que vous avez madame non pour jusqu'à son audition. Bon. Je n'ai pas parlé au commissaire du gouvernement. Je reprends les informations de Métronome. OK? De Métronome. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que madame Stéphanie, mesdames et messieurs, et yo Kimberly, mesdames et messieurs, en garde à vue jusqu'à son audition le 27 cap vini là, et d'après sa Radio Métronome rapporté. Et maintenant, on analyse ce qui s'est passé. On a rappelé que dans le rapport USCCF sur ONA, dans deux rapports, dans le cas que indexé Mme Mondestin, et il y a tout, James Jean-Baptiste, qui est ex-directeur général, qui est indexé, il y a Peterson Juste qui est indexé, et il y a Alfredo qui est indexé, mesdames et messieurs. Il a reproché Mme Nan, comme quoi l'état de connivence avec Alfredo. Avec Peterson, eh bien, dans le cadre de 86 millions de gourdes que l'on a acheté en building de Alfredo et que Gekob qui déposait son compte en banque de une compagnie que Mme Stéphanie partageait avec Peterson Juste, mesdames et messieurs. Donc, c'est principal raison ça, puisque qui fait aussi, d'ailleurs, vous voyez, invitation par Mme Mondestin pour le rendre. Et. Dans le paquet, pour la répondre à la question paquet, même Jean, Djemle, Gagné pour la non paquet, mesdames et messieurs. Le 27, il faut le présenter, mais matin, il n'a pas le voyager. Donc, il a interpellé automatiquement, mesdames et messieurs, et c'est une véritable raison. Maintenant, on nous regarde. Pour nous dire, est-ce que madame, Mondestin, est-ce qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de départ? Est-ce que tu as une interdiction de départ? Si tu as une interdiction de départ, donc, et automatiquement, il prend un billet d'avion pour voyager, donc automatiquement, il a intercepté l'aéroport, hein, mesdames et messieurs, et parce que il n'a pas de droit parti. Ça veut dire que la justice veut que le retenir dans le pays hein, pour répondre à une question de la justice. Et justement, dans le palavre là, nous n'avons pas d'information que l'on fait objet d'une interdiction de départ. Donc, s'il n'a pas fait objet d'une interdiction de départ, donc, il n'y a pas d'intérêt d'empêcher le voyager, mesdames et messieurs, parce que la Constitution garantie doit d'aller et de venir dans un pays, doit aller et de venir pour voyager, pour déplacer, pour faire sauver. La Constitution garantie. Mais si vous faites objet d'une interdiction de départ, donc, il est normal, mais pendant que je parle avec nous là, pas aucune information qui dit que Mme Nant est fait objet d'une interdiction de départ. Ça, c'est la première considération. S'il n'y a pas d'interdiction de départ, est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter? Donc, et ça fait, on a l'impression que et la police et nous parlait de interpellation, tout, parce que jusqu'à moment que le Tina au pouvoir, semblait que le pas de fait. Il n'y a pas d'interdiction de départ, donc ils ont interpellé. Ils ont interpellé pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, je suppose, parce qu'elle est indexée, elle est invitée au parquet, et ils ont eu la partie, et la partie, je dis, à 23, et le 27, mesdames et messieurs, ils gagnaient pour le temps de répondre à la question à justice, mesdames et messieurs. Donc, on dit c'est une arrestation. Par prévention. Hein? C'est une arrestation par prévention. Donc, la justice ou le parquet a considéré la tentative de madame pour quitter le pays à un moment ça, est tendancieuse. Ok? Parquet a justice là, ou bien monde qui t'a suivi madame, non? Il a estimé que le moment l'a déplacé à ce moment qui est tendancieuse. Et il y a même rivé conclu, mesdames et messieurs, sur les réseaux,
que madame n'a pas sauvé qui était pays là, et bien c'est pour ça yo arrêté il t'a sauvé pour pas t'aller répondre à la question de la justice. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, nous ne sommes pas capables de dire ça. Mais le regard des timings que l'a quitté, eh bien, le commissaire gouvernement, la police, mon qui t'a gardé, eh bien, je crois que, mesdames et messieurs, il n'y a pas quitter le voyager. Et il est dit que yo kembel, mesdames et messieurs, jusqu'à son audition, si tel est le cas, mesdames et messieurs, c'est qu'automatiquement, le commissaire gouvernement, la justice considère que, eh bien, madame non, eh bien, il n'y a pas de garantie que la prête dans le pays, il n'y a pas de garantie que le pape quitte le pays. Et, sous base ça même, il est rapporté que madame non, mesdames et messieurs, et il est rapporté, mesdames et messieurs, que tout le monde qui est indexé dans le rapport USCCO, tout le monde que Parquet a invité, mesdames et messieurs, à répondre à ces questions, eh bien, Mounsao, eh bien, vous tous, vous pouvez le faire objet, et vous faites objet déjà, d'une interdiction de départ, si vous voulez fienne, eh bien, avec ça, mesdames et messieurs, et métronome rapporté. Et est-ce que arrestation, madame, Kembel, n'a garde à vue jusqu'à son audition, est-ce que l'illégal, est-ce que l'illégal, il faut poser des questions. Et mettre la loi, c'est eux-mêmes qui ont gagné pour. Ok. Dossier Solino. Normalement, Kempes apprend Solino. Normalement, Kempes apprend Solino. Et d'après tout ça que nous gagnons comme information, Kempes a occupé Solino. Et Barbecue, qui ta soi-disant qui te ka aide Solino sorti, mais by Kempes feu vert pour Ren Solino. Salut aux Villiers de Saline Justin. Alors, qui ça qui passe? J'en t'explique ça, Maria, c'est que gagné deux groupes policiers en dedans Solino. Yon groupe qui proche peuple là, kap goumé pour peuple là, et bon l'autre groupe qui proche Kempes. M'pral ba nou quelques grandes vérités. Gagné de haut gradé en dans la police là, il t'a supposé poser question. OK. Gagné de monde en dans la police là de haut gradé, il t'a supposé poser question. Je dis encore Kempes envahit Solino. Ben mon Solino paraît impuissant devant Gangio. Son pays qui ganglé. Salut de James Claudie Civil. Ça a nèg Maurice Jean-Charles. De Maurice Jean-Charles. Gen gentil amou tout, oui. Gentil amou. Eh bien, qui ça qui passe? Mes zones qui m'pèse censé déjà prendre. Et sous Solino, et m'salut tout à l'étalé, n'est-ce pas?
à l'état l'en la kaye et qui font bon travail, mais qui cohérent tout à l'idéologie, lui-même, il venait juste. Oui, il venait juste, on est bien en ville. Il venait juste. Je ne sais pas dans quel pays, si c'était Brésil ou Chili. Même qu'on est, nous t'en aimé, on le monte Chili. Nous t'en aimé, par exemple, alors, pour monter Chili, faut ne pas recevoir mieux, assurer, sûr que sécurité. Si un groupe ne qui le Chili, je vais le Chili. Mais, le Chili est un peu bandit. Chili gagne pile bandi et bandi pouvoir oui d'après ce Lucien il faut négocier que il y a bonne sécurité le droit faut dire ce Lucien faut saluer Marie Jo Amires Kaoli salue faut sûr que il y a bonne sécurité oui très important avant aller maison Nek Solino déjà prend et Nek Kempes déjà prend. C'est Ruyel Sylvia. Ruyel Anglade. Saint-Michel. Corridor Bastia. Cité Félix. Ruyel Candio. Ruyel Oriol. Ruyel Achin, Ruyel Batelmi. C'est zone sa yo Kempes chef gang déjà metté en bas. Ma bobran. Mes zone Kempes déjà metté en bas. C'est bloc Ruyel Sylvia. Bloc Ruyel Anglade, Saint-Michel, Corridor Bastia, Cité Félix, Ruyel Candio, Ruyel Oriol, Ruyel Achin, Ruyel Batelmi, Rel Kamakorel, Zone Sayo, Kempes déjà météo en Bamel. Eh bien, qui ça qui passe? Gagné plusieurs policiers dans Solino pas bon nèg. Par exemple, que m'bral cité. Un policier qui t'relé Tibobo. Ali Kempes. Monsieur Laguepiel pour la République Dominicaine. Ma bobren. Gagné policier Solino. Monsieur c'est Allié Kempes. Monsieur Laguepiel pour la République Dominicaine. Monsieur c'est Allié Kempes et qui t'a supporté Kempes. Deux. Policier UGPN n'a pas parlé. Griezmann. Mon compère barbecue. Direction Nicaragua. Monsieur gen de madame, monsieur voyait deux femmes yo déjà avant Nicaragua et lui-même lui parti en deuxième position direction Mexique et puis finalité à les États-Unis d'Amérique. Actuellement, Griezmann avec deux femmes liyo yo chita dans pays Mexique en passant par Nicaragua. Griezmann, c'était policier UGPN en Napalé. Avant le parti, monsieur vend 3 âmes pour barbecue. Et Zam Sayo li vend ni à Kempes. Avant Griezmann parti, Griezmann, son genou bien, Griezmann. M'a gagné pour moi publier photo yo pour que en rentrant dans le territoire des États-Unis d'Amérique
pour que yo ait capacité pour yo déporter nèg sa yo en Haïti. Griezmann, c'est mon compère barbecue. Monsieur, c'était chef G9 en Solino. C'est lui-même qui était représenté G9 en Solino. Griezmann. Je reprends. Griezmann était représenté G9 en Solino. Allié Kempes. Mon compère barbecue. Direction Nicaragua, accompagné de deux femmes que le dévoyait devant et lui-même lui faisait derrière après le fin 23 ans barbecue avec chef gang Kempes Nabele. Toi, gagné on l'autre policier, on croit c'est un Udmo ou bien Simo, si je ne me trompe pas. Monsieur, il est Dumé, alias commandant force. Monsieur, c'est bon ami barbecue. C'est un nèg, il t'a supposé. Donc, fait un check sous lit. Dumé, alias commandant force. Moi, quoi, monsieur, c'est un Udmo ou bien Simo. Et monsieur, c'est allié barbecue. Eh bien, son nèg, il t'a supposé DCPJ. Et plutôt inspection générale t'a supposé faire un check sous citoyen ça hein? Mesdames messieurs n'a pour bataille qui gagne jodi a policier Claude Valsin 14e promotion mon solino prend balle dans pied puisque la police voyait des chats porter mon solino concours. Et monsieur de Sanchar, pour l'al faire face carré avec la police, monsieur prend balle dans pied. Actuellement, la prend soin dans l'hôpital, dans le pays d'Haïti. Monsieur relé Claude Valsin.